Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer l'envers du décor dans la peau d'un Kraken, d'un joueur avec tout illimité, surtout les gemmes. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater. Vous ne l'avez pas cette fois à droite sur l'overlay, puisqu'on est en full screen, car je dois passer par BlueStack. Hein. Mais n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis. Les amis, regardons donc ce que ça va donner. Déjà, je me retrouve sur un serveur de test, un serveur officiel, mais le serveur de test. Et regardez, tout à coup, mon compte vient d'être upgradé par les devs. Hein. C'est magique. Vous donnez votre gouverneur ID, vous donnez un certain nombre d'informations et pouf. Mon compte vient de passer de 1000 de puissance à 50 millions de puissance. Ça a pris une seconde. Je suis VIP15. J'ai eu des commandants qui ont été mis, etc. C'est comme ça que ça se passe sur les serveurs de test, notamment le serveur de la grande finale hein, d'Osiris. Hein. Les comptes sont upgradés comme ça. Vous êtes connecté. Et regardez bien mon nombre de gemmes de 446 dès le moment où je vais ramasser une ressource. Vous allez voir ce qui va se passer comme toutes mes ressources. Hein, regardez toutes mes ressources hein, qui sont faibles. Je vais juste cliquer pour en ramasser une. Et vous allez voir comme c'est magique. Parce qu'en fait, il faut que le client se mette à jour. Je vais cliquer. Voilà, je suis en train de faire défiler tout ce qui est arrivé. Regardez toutes les, euh, les objectifs que j'ai remplis. Et tout à coup, je vais ramasser une des ressources qui sont sur mes mines. et Tous les bâtiments sont apparus aussi. Ils sont encore en construction. Alors pour que ça marche parfaitement, il faut que je me déco et me reco. Et là, je n'aurai aucun bug visuel. vous allez le voir, hein. je vais vous faire une petite transition et on va faire une déco-reco. Mais regardez bien, hein. j'ai bien le VIP 15, j'ai bien tout. Il faut que j'aille récupérer les ressources du VIP 15, elles sont d'ailleurs dans ma boîte. Je pourrais les récupérer. et Regardez comme c'est magique parce que sans ressources, je ne ferais pas grand chose. Et bim, regardez, je passe à 10 milliards de chaque ressource. Alors, c'est pas ouf, on a déjà vu des joueurs, notamment des 60 GT avec plus de 10 milliards, mais regardez surtout. 10 milliards de gemmes. En fait, j'ai 10 milliards de tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc sachez que demain, si euh, vous rachetiez euh, Lilith, hein, les devs pourraient immédiatement, en un clic, vous passer tout au max sans aucun problème. Elle est belle la vie hein, d'être dev, mais évidemment eux-mêmes ne servent de ces comptes-là que pour faire des tests et non pas pour jouer une game, sinon ça serait clairement n'importe quoi. Alors vous le voyez, hein, je suis, euh, j'ai fait une déco reco on est passé à 290 millions de puissance à présent. J'ai fait quelques petites choses. Et regardez, quand vous avez tout infini, que vous êtes VIP15, eh bien, euh, passer VIP16 ou plus, hein, ce n'est clairement pas un problème. Je clique, il me demande 500 000 gemmes pour me passer VIP16. Aucun problème. Un clic et c'est réglé. Je suis pratiquement VIP16. Vous voyez, je ne veux même pas trop dépenser. Donc du coup, euh, j'utilise juste ce qu'il faut. Je passe VIP16 comme par magie. Je veux passer euh, VIP17, aucun problème. Alors déjà, j'ouvre les coffres hein, parce que ça ne se fait pas. Il me met VIP16, je vais aller prendre les coffres. Je veux passer VIP17, zéro problème. C'est comme si j'étais Baba. Je clique, il va me demander un million de gemmes forcément. Voilà, 201, 990 000 gemmes. Eh bien je clique et je passe VIP17 instantanément. Je veux passer VIP18, zéro problème pour passer VIP18. VIP18, ça va être un million et demi de gemmes. Quand on en a 10 milliards, hein, c'est pas ça qui compte, ça ne se voit même pas sur mon total. Et bim, voilà, me voilà à présent VIP 18. Franchement, ça a été trop dur de passer VIP 18. Mais je pense quand même hein, qu'on perd un petit peu de plaisir du jeu quand c'est aussi simple, même si extrêmement peu de joueurs, je sais même pas s'il y en a 10 au total, hein, extrêmement peu de joueurs se retrouvent dans ce genre de scénario et de situation. Vous le voyez, j'ai raté le coffre de niveau 17, mais euh, Lilith a fait un patch hein, il y a de ça quelques mois. Quand on rate un coffre de VIP, évidemment, il nous le donne dans notre magasin. Donc, vous le récupérez dans notre magasin, non, dans notre boîte aux lettres et vous le récupérez. Pareil, il y a d'autres choses ultra intéressantes hein, qu'on peut faire. Hein, typiquement, ce que vous avez tous toujours rêvé, vous avez toujours rêvé, j'en suis sûr, d'ouvrir les, euh, les coffres par énormément ou tout simplement de créer masse-troupe. Eh bien, regardez, il vous suffit de cliquer en boucle sur le, la création de troupes hein, et voilà, comme les méga baleines, tout simplement vous vous retrouvez à créer des troupes en masse. Je monte ma puissance. Mais bon, 2000 par 2000, c'est quand même un petit peu long. Hein. Si on pouvait le faire par plus, on regardera euh, ça tout à l'heure, si on pouvait le faire par plus, ça serait bien plus sympa parce que même nos baleines, imaginez, hein, pour faire beaucoup de troupes, pour faire 200 000 troupes, ils vont devoir cliquer beaucoup, beaucoup de fois et pour en faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Bon, il faudrait peut-être trouver une solution plus simple pour elle. Mais vous voyez, tout ce que vous avez toujours rêvé de faire et vu en vidéo, créer ma troupe en cas de KVK, vous pouvez le faire. Et regardez, hein, mon total de gemmes a à peine bronché hein, sur ces 10 milliards. Je suis toujours à 9 974 Millions de gemmes très détente. Alors regardez, on peut faire d'autres choses, comme je vous le disais dans le store, on peut aller tout simplement faire des ouvertures de clés massives parce que on peut acheter tout ce qu'il y a dans le store. Puisque dans ce store-là, ce qui est intéressant, c'est que tout est en illimité. Ça, c'est bien quand on a un argent infini qu'il y ait un store avec tout limité, c'est très pratique. Donc regardez par exemple, je prends les clés de cristal, parce que les autres, je les ai déjà en 10 000, donc je vais prendre les clés de cristal. 10 000 clés de cristal, alors non, 9 999... Clé de cristal, très précisément, c'est le maximum qu'on peut acheter. C'est 10 millions de gemmes. 10 millions de gemmes, c'est que dalle. Du coup, j'achète ces 10 000 clés. 9 999 clés, qui est le maximum qu'on peut ouvrir. Et je vais aller faire des petites ouvertures. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à acheter Non, on a tout ce qu'il nous faut. Et si je souhaite aller faire ces ouvertures, vous allez le voir, ça va très probablement. Je vous ai déjà fait une ouverture de 7000 clés en argent. Et vous allez le voir là, quand... On est avec les clés en or Pareil Ça rame Mais ça lag pas tant que ça Je pensais que ça allait Plus laguer que ça Donc on fait la petite ouverture gratuite, vous voyez, j'ai 10 007 clés en or très précisément. On fait la petite ouverture gratuite tranquillement, ça hein. ne sert pas à grand chose, mais j'ai quand même un, un plan épique hein. et on se fait une petite ouverture à 10 000. Ça fait plaisir de faire cette ouverture à 10 000. Tac, vous voyez, ça frise, ça frise, mais ça frise beaucoup moins que ce que je pensais hein. et on a un max de parchemin, Franchement. C'est très très impressionnant d'avoir ce genre de compte. Alors, ce n'est pas la première fois que j'ai accès au serveur de test. C'est très précisément la deuxième fois. Il y a de ça un an, l'été dernier, je vous avais fait une vidéo aussi dessus. Et vous aviez vu ce que c'était. C'était exactement les mêmes conditions. Hein. Donc, c'était ultra performant. Et là, avec cette petite 10 000 ouvertures. Alors. J'ai pas dû avoir de chance parce que je pense clairement qu'on pourrait avoir un meilleur tirage avec moins de clés. Mais il y a quand même déjà de quoi équiper plusieurs comptes à haut niveau. Ce qui est étonnant, c'est ok, les plans, c'est euh, c'est bien. Mais j'ai pensé que pour 10 000 clés j'aurai beaucoup plus de matériaux de crafting. Hein. En fait, ça va tellement vite, il vaut mieux acheter des coffres légendaires quand on est blindé comme ça. Ça permet d'avoir beaucoup plus de matériaux et surtout de crafter ce qu'on a récupéré. Alors, je vais faire une petite ouverture de 9999. Coffre en or également, vous allez le voir, ça va faire plaisir. Alors, déjà, je vais me débarrasser de cette ouverture gratuite d'un coffre en argent qui fait tache au milieu. Et franchement, le tirage de 9999 clés en or, je l'ai déjà fait hier pour tester, et eh bien il m'a impressionné. Ça va ramer, mais encore une fois, pas tant que ça. Le jeu est quand même très bien développé à présent, ils ont bien patché, ça ramait beaucoup plus avant. On passe les commandants euh, épiques euh, ou euh, supérieurs qui n'ont aucune utilité. Regardez, en tout cas, au niveau des tomes d'expérience, hein, on en récupère pas mal. 7465, 2000 hein, et 3552 de 5000 et des accélérateurs. À ne plus quoi savoir en faire au niveau des commandants. Regardons, déjà, on voit, on a euh, Tumto 6, on en a 239. C'est un très gros score. Hein. Pareil, Ragnar, on en a 224, 196 de Mulan, 205 de Menmètre seconde, 334 d'Ishida, Seon 379, Cléopathe 377. Mais bizarrement, je pensais que j'aurais beaucoup, beaucoup plus de commandants de femmes Et regardez Sid et Martel, comme chaos j'en ai plus de 300 aussi. Donc quasi autant que les commandants de farm. Là, j'ai été surpris. Hein. Je pensais que vraiment, j'aurais beaucoup plus de commandants farm que les autres. Hein. Mais pas tant que ça. Au niveau des commandants que j'ai eu par 10, celui que j'ai eu le plus, hein, c'est tumto 6. Et Ishida, j'en ai eu 31. Ça fait 310. C'est énorme hein, quand même, hein, donc tout le sort vraiment bien. Mulan, pareil, hein, j'en ai eu 200 plus les 196 que j'avais, donc pratiquement 400. C'est on déhoc 290. Bon, avec 10 000 clés, vous expertisez quasiment tous les commandants que vous avez dans les clés. Et le, le site est regardé au final. Celui que j'ai le plus, hein, c'est Frédéric 1er. J'en ai eu 360. Vraiment, vous faites 10 000 clés. Vous avez quasiment euh, tout le monde expertisé. Hein, là. Enfin, tout le monde. Vous avez quasiment 12 commandants légendaires. Parce que regardez, il euh, y en a bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez les 12 commandants légendaires quasi expertisés. Vous avez plus de 500 clés, près de 500 clés de César. Près de 500 clés, plus de 500 clés. 540 clés euh, de Frédéric 1er. K.O.K.O. pareil, 550. Sachant qu'il faut 690 clés pour euh, expertiser un commandant. Donc 10 000 clés en or, tous les commandants du coffre légendaire. Il n'y en a bien que 12. Il n'y en a bien que 12. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. Donc vous les avez quasi tous expertisés. Évidemment, vous avez euh, les packs écrivains d'histoire qui pop. N'hésitez pas à les prendre, c'est toujours de la balle. Et on se retrouve sur une ouverture de 2000 clés de coffre légendaire hein, de la taverne. Celle-là. C'est le max qu'on peut faire. Hein. Contrairement aux clés en or et clés de cristal qu'on peut ouvrir à l'infini, là c'est 2000 par jour maximum. Et qu'est-ce que ça donne Une ouverture de 2000 clés euh, de coffre légendaire. C'est très simple ce que ça donne, euh, les amis. Vous allez le voir, ça va donner forcément un nombre énorme de commandants légendaires. Regardez, est-ce que, pff, franchement, 2000 clés Qui a 2000 clés en stock Vous en ouvrez 2000 et là masse, commandant et masse pièces, parce que forcément, quand vous avez ce type de compte, hein, il y a beaucoup de commandants que vous possédez déjà. Et regardez, hein, j'ai 66 sculptures d'Edouard, 41 de Tomiris, 69 hein, de Alexandre le Grand, Alexandre le Grand qui était le premier, mais non, c'est John Khan, 72 sculptures de John Khan, Moctezuma premier, 22, bon, il sert pas à grand chose, je récupère beaucoup, beaucoup de pièces. Il y a Trajan, Journée 16, 21 de Sirius, 12 de Nabucodonosor Second, 26 de Harald, hein, 16 de Zenobia Zenobia mauvais tirage, hein. Guillaume premier er 25, pareil, hein. Chandra Gupta je vais, on le voit juste au dessus j'en avais 19, je vérifie c'est bien pour le moment, Scan où j'en ai 72, donc euh, ai, euh, Chandra Gupta, j'en ai 15, à côté de lui euh, c'est YSS, -Y je ne le reconnaissais pas 19, Théodora Ramses Artemis, Guan bon, il y a tout le monde évidemment et après dans les commandes en plein, et eh bien Edouard, j'en ai euh, eu pas tant que ça en en fait hein, puisque j'en ai eu que euh, une fois de 10 mais si vous regardez Alexandre le grand j'en ai eu 7 donc j'ai 70 sculptures d'un coup Genghis Khan j'en ai plus que 20 Saladin j'en ai une vraiment euh, des un tirage qui est bien réparti et donc quand vous ouvrez alors on a moins de sculptures évidemment que euh, lorsqu'on ouvre Carrément une, une, 10 000, parce qu'on n'est qu'à 2 000 clés, hein, 10 000 clés de coffre en or de la taverne, sur cette taverne légendaire, mais on a ouvert 5 fois moins de clés. Hein. Attention, il hein, n'y a eu que 2 000 clés d'ouvertes, compte 10 000 de l'autre côté. Prenez bien ça en considération. Alors, est-ce que euh, ces, euh, ces tirages sont significatifs Non, évidemment, c'est très aléatoire. En revanche, quand on en ouvre 2000, hein, toutes les 200 sculptures, hein, on a accès à un commandant de notre choix, 10 sculptures d'un coup. Donc, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Par exemple, là, je mets Cyrus Le Grand, je mets confirmé et je récupère en plus 100 sculptures de Cyrus Le Grand, euh, 10 fois 10. C'est toujours propre et regardez, après j'ai 63 000 pièces. Alors vous voyez, ça ne se reset qu'à la fin du KvK, donc dans 30 jours. Enfin, c'est pas à la fin du KvK, c'est dans 35 jours, je crois. Tous les 35 jours, ça se reset. Regardez, évidemment, on est embêté quand on a autant de pièces, hein, puisque je peux totalement piller le store hein, et il me restera encore énormément de pièces. Ouais, les vrais problèmes de riches c'est de méga riches, parce que là on n'est plus dans les riches, on est dans les méga riches, c'est que les stores ne sont pas suffisants, du coup comme je vous le dis, hein, on doit quand même s'ennuyer assez rapidement. Alors j'ai bien regardé et réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a des gemmes infinies, et bien au final... Pas tant de choses que ça, euh, enfin pas tant de choses que ça, évidemment le jeu il devient ouf, hein, mais euh, on n'a pas, euh, on peut pas tout cheater comme ça. Si on regarde au niveau des events euh, par exemple, alors les créations de troupes, oui euh, on peut en faire en masse, mais si on regarde au niveau des events, hein, on peut, on ne peut pas euh, bypasser les events en achetant comme un ouf et être sûr à la première place. En revanche, le store euh, de VIP, on peut se faire plaisir. Regardez, je vous disais c'est pas suffisant de créer par 2000 et eh bien on, quand on est VIP 18 on a accès à la réserve de niveau 6 il y en a 10 on les achète mais c'est que 10 on ne peut pas après euh, l'acheter si vous allez dans le store euh, classique vous n'avez pas accès aux expansions d'armée ça faudrait le rajouter pour les méga baleines comme ça elles pourraient créer vraiment massivement parce que si vous n'avez jamais fait le test, regardez, si vous allez dans les 10 que j'ai achetés, vous ouvrez les 10 d'un coup, donc c'est dans Boost, les 10, je mets max d'un coup, je mets 10, et les 10 prochaines unités que je vais créer auront un package de 50 000 plus les 2 000, donc 52 000, regardez, je fais entraîner instantané, je fais 52 000, ça fait 70 000 gemmes, je peux le faire donc 10 fois de suite, ça va me claquer quand même 688 000 gemmes, ça brûle, hein, ça fait pratiquement 700 000 gemmes, j'ai jamais eu autant de gemmes si depuis le début du jeu mais si dans une fois j'ai jamais eu autant de gemmes et peu de joueurs ont déjà eu autant de gemmes vous le voyez et une fois que vous avez passé les 10 et eh bien ça redevient normal vous pouvez cliquer comme un malade dessus mais c'est beaucoup moins rapide, vous voyez, ça monte beaucoup plus lentement. Je monte par package de 600 000 à la seconde quasiment, alors que là, c'est 500 000. Toutes les 5 secondes, c'est 100 000 à peu près à la seconde. Donc voilà, c'est juste plus lent et plus rapide de le faire par package de 50 000. Donc Lilith pourrait penser à rajouter ça pour nos méga baleines. Je vous le disais au niveau des events, hein, quand il vous reste, regardez, avec tout ce que j'ai fait, j'ai encore 9,960 milliards de gemmes. Euh, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec toujours autant de gemmes Eh bien là, on a fait un petit peu le tour. Si on regarde les events, hein, dans les events, on peut claquer à la prière d'Esmeralda, par exemple, euh, acheter directement. Tous les jetons, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait tous les tours. Je l'ai fait pour la vidéo que j'ai fait pour Lilith, pour la chaîne officielle. Hein. Mais après, c'est fini. Vous ne pouvez plus en racheter. Il n'y a pas de reset. Vous ne pouvez pas racheter tous les jours ou plus ou faire plus de tours. C'est fini. Vous avez vos 10 milliards de gemmes et il n'y a pas beaucoup d'events. Alors, oui, quand il y aura la roue de la chance, vous pouvez faire vos tours de roue de la chance avec vos gemmes et aller au maximum. Mais encore une fois, le nombre de, roues de, la de tours de la roue de la chance hein, sont limités. Il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense, il hein, y a quand même donc au final une limitation euh, qui est euh, donnée par Lilith pour l'utilisation des gemmes, ce qui va éviter que les, euh, les méga baleines, les joueurs à la CB réellement infinie, parce que là on est réellement infini, Puisse abuser. Pareil au niveau du craft. Hein, regardez, vous dites je peux crafter tout ce que je veux. Ouais, je peux crafter tout ce que je veux, mais là, je vais crafter la cape. Je la crapte une première fois. Si je veux. Euh, elle n'a pas critiqué, donc je veux l'expertiser. Donc je vais sur euh, le, le raffinage. Je veux la raffiner. Je reprends ma cape. Hein, je mets le raffinage. Alors là, je vais avoir un petit coup de chance sur le premier tirage. Elle critique en faux droit, mais c'est fini. Euh, je n'ai plus assez de matériaux. Donc là, je peux acheter les packs, mais les packs, c'est limité hein, en nombre. Hein. Je peux en acheter 5 par jour, de packs en tenue. La seule solution que j'ai, c'est il faut que j'aille dans la taverne, que j'achète... 10 000 clés de cristal, et avec ces 10 000 clés de cristal, que je fasse une ouverture et ainsi de suite pour récupérer suffisamment de matériaux. Alors, oui, là-dessus, je peux le faire, mais si j'obtiens pas les plans, il va falloir que je tourne en boucle pour les obtenir. Bref, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, et tout, tout comme les commandants, hein, regardez, il n'y a aucun moyen d'acheter un commandant légendaire que je n'aurais pas, comme le nombre de sculptures en or est limité également, hein, celui que je peux acheter. Bref, c'est pas non plus euh, tout en illimité dès le moment où vous avez une CB limitée, même si c'est pratiquement le cas, vous l'avez vu. Hein, en tout cas, ce c'est pas le cas au niveau de tous les events. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire quand on a un compte où tout est possible, les amis. Franchement, ça fait rêver un compte comme ça, même si encore une fois, je pense à la fin, on commencerait à s'ennuyer très rapidement et on se lasserait très rapidement du jeu. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un couloir. Sal, pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.